Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Squeezie. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen moi? He's so crazy, I love her. On peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, Yop. Bon la team, j'arrive, j'ai une super idée. Je me suis dit les gars, et si on faisait des petites prédictions pour la soirée de ce soir et tout en peak viewer? Elise a déjà eu l'idée et je crois qu'ils ont tous fait des prédictions. C'est ça Elise? Oui. Donc faut que je donne ma prédiction. Oh là 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 là, Tintin au Tibet. Et je pense que ce soir en peak, nous allons faire 53 000 viewers. C'est ma prédiction. C'est le plus bas de ce qui a été dit, je crois. Alors je suis potentiellement le plus hype pour ce soir, mais je pense que de base je voulais dire 60. Mais ouais, 53. Je pense que c'est pas mal 53. J'espère me tromper qu'on va faire 190 000. Oui, j'attends le X9, je suis trop chaud. Je sais que t'allais venir. Je préfère mettre les choses en place tout de suite. Voilà, on est trop hype ici. J'ai un autre point à voir avant. Est-ce que vous trouvez ça normal que Stéphane... Oh non, ça commence. Fier représentant de la team Paname / Nord. Dans le Nord, ça mange du bon fromage. Trouvez-vous ça normal, la team Nord, que Stéphane soit un fan de raclette avec des pâtes et non pas avec des patates? Mais c'est incroyable, c'est sous-côté, vous imaginez non, même pas. C'est très bon, mais c'est pas une raclette. Non, mais je suis sûr qu'en vrai, ça vous hype quand vous avez vu la photo. Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas ça du mac and cheese? Non. C'est très intelligent ce que tu viens de dire. Depuis que j'ai découvert ça, c'est meilleur qu'une vraie raclette. On met la photo de sa story là. Voilà, donc Stéphane préfère le mac and cheese de la raclette. Ça fond en bouche, t'as pas ce côté qui remplit de la pomme de terre, c'est exceptionnel. Je pense que la team Lille laisse des solidarités. Hein. Va falloir un nouveau représentant. Je pense qu'on va organiser une raclette, voilà. On va organiser une raclette aux locaux et on va faire une raclette avec des pâtes et vous allez me donner votre avis. Une mac and cheesette quoi. Je savais qu'il allait faire une vanne. Je sais pas quand est-ce qu'elle allait arriver, mais je savais que ça nous prendait au nez. T'as dit qu'on a mis du fromage ici. C'est vrai, putain. Yann, fier représentant suisse, est-ce que tu as envie de détruire Steph? Avec des pâtes, frère, c'est vraiment une honte, par contre. Une honte, il a dit, hein. T'es sûr que c'est une honte? Répète ce que t'as dit, là. Ouais. Répète ce que t'as dit. Oui. Ça va, ça fait pas de bruit. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tout est en l'air. Je veux minimum 20% d'augmentation et qu'ils sont de congé, c'est bon ou pas? Il y a des gens dessus et en dessous, merde. Je veux pas la teinture. Pas de teinture rose, d'accord? Yann, c'est bien la ce que je disais. Yann, après avoir mangé le piquant... De la team, nouveau vlog. Là on est sur un teaser. Attends, je vais pas te parler de travail encore. Je viens après. Ils sont passés de Steph malade la semaine dernière à Steph qui revient de vacances. Ça se voit que les vues. Ça fait du bien, mais ça fait du bien que tu sois pas là quelques temps, mais que tu reviennes en force aussi, tu vois. C'est vrai. Putain. Et regarde en plus, entre temps, la barbe d'Alex a grave poussé. Et moi je trouve que ça. Zéro van, que je trouve que ça te va bien. Je défile un petit peu. Non mais zéro van, je trouve que ça te va bien. Tahiti. Une représentation de la lune, un trou à gauche, deux trous à droite. Zéro van, je trouve que ça te va bien, Alex. Merci. Ma mère, je trouve que c'est dégueulasse. C'est vrai? C'est bon, là? Ah ouais, ça filme bien. Le défi, je le respecte quand même. Hein. Ouais, c'est parce vrai. Que vraiment, je passe pour une tête de con dans la rue. Hein. Non, moi, je trouve que ça te va. Zéro van, ça te va bien. Franchement, non, tu passes pas pour une con. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait à ma table de ping-pong? Pourquoi il y a autant de bureaux là? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est très bien pourquoi. Vous avons aujourd'hui aimé Léo et Lucas qui arrivent dans quelques minutes. Chiche, qu'est-ce qu'il vient faire, Squeezie? Attends, parce que aimé, on connaît Léo et Lucas. D'ailleurs, on rappelle que pour mon t-shirt au Japon, c'est Squeezie qui va faire la promotion. Oui. Bien sûr, oui. Évidemment. Oui, c'est lui qui va faire les photos. Hein, Élise? Élise, elle est sur le dossier, je suppose. Et je crois qu'elle t'entend pas trop. Si, si, elle m'entend très bien, même. Élise? Merci, le sang. Une de cette tempête que j'ai mangé là. Ça va, Élise? C'est toujours bon pour Lucas, pour mes t-shirts. T'as vu mon mail? Lequel? Celui que je t'ai fait ce week-end ou vendredi tard. Ah oui. Oui, il faut qu'on organise le shooting avec Lucas. Ouais, t'inquiète, c'est prévu. Pourquoi il se passe quoi du coup? Léa nous a dit, c'est Léo, Lucas, Aimé? Léo, la team des WL, comme on les appelle, Léo et Lucas. Et Aimé, ça fait. Je suis en impro complète là. J'ai vu. Il n'y a plus rien qui venait là. C'est l'équipe direction artistique, graphique. Non, je vais en prendre, ça a l'air incroyable, merci beaucoup. Faut vite qu'on les finisse avant qu'ils arrivent, comme c'est pour eux les pains au chocolat. Pas selon les derniers commentaires. Du coup, ouais, c'est l'équipe graphique. Donc, on a Aimé, directeur artistique que vous connaissez, qui s'occupe de tout ce qui est graphique, design graphique au global. Léo, qui l'épaule notamment sur, par exemple, les miniatures de la chaîne secondaire. C'est lui qui l'avait fait toutes. Plus de 30, 60, parfois 90 vidéos sur la chaîne secondaire. Donc, Je vais juste changer d'angle parce que j'ai remarqué qu'on te voit toujours par le bas quand on est plus petit que toi. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait être filmé par le haut. Voilà. Voilà, le contre-plongée. Plongée, pardon. Et du coup, on voit pas ma barre. Ah, vas-y, repartons comme ça. Tahiti. Et du coup, la dernière personne, c'est Lucas, que vous avez déjà vu, je crois, dans un précédent vlog, qui du coup, lui, s'occupe du motion design. C'est pas le seul motion designer qu'on a, mais ça fait partie d'un de nos préférés, nos meilleurs, celui qui gère super bien notamment les émissions du lundi. Donc le motion design, c'est tout simplement prendre les assets graphiques de Aimé par exemple et les animer, leur donner vie tout simplement. Un petit exemple maintenant tout de suite sur la calvasse d'Andreas. Hop. Voilà. D'ailleurs, j'ai une théorie pourquoi il y a plus de commentaires sur Chocolatine, mais je vais la dire hors vlog. Voilà. À tout à l'heure la team.
Et voilà, ils sont là, l'équipe graphique. Les hommes les plus frais de la G-Corp. Les triple L. Ça va ou quoi? Aimer, ça commence par un A. Oui, mais aimer, c'est l'aimer, parce que c'est l'aimer, l'élu, tu vois. Mais il a décidé Léo, l'aimer, Lucas, vous êtes les triple L, ça y est. L'aimer, d'accord, pas de soucis. Voilà, je vais me renommer comme ça sur Twitter. J'aime trop ta veste. Cimer, Arte, toujours. Voilà, là, là. Et aimer, il a un vrai flow, les gars. Aimer, tu viens d'où? Je suis tout seul à Nantes. Nantes, du coup, c'est Normandie. C'est Loire-Atlantique, c'est en dessous la Bretagne. D'accord. Ah, on a personne en Loire-Atlantique, Andrés. Bon, c'est un peu La Rochelle, c'est au-dessus, non? La Rochelle, c'est Coco, faudra ajouter Gotaga sur La Rochelle. Ouais. Et Aimer à Nantes. Aimer, c'est The Nantais. Bon, vous arrêtez de travailler un peu là? Vous faites quoi là du coup? C'est un petit montage pour ce soir pour ceux qui ne connaîtraient pas Diablo X9. Ce serait une honte de votre part qui retrace un petit peu Diablo X9 sur YouTube en une minute. Ouais, ça va faire kiffer tout le monde. Ouais. C'était léger, 18 à Kimbo. Un mec, mais gros, il te lâche un truc. J'ai envie de jouer à MW2, sa mère, j'ai une pulsion de ouf. Non, je rigole, j'ai envie de jouer à Valorant. J'adore Valorant. Ah ouais. Je prépare plein de petits assets vidéo pour ce soir. Stéphane, qu'on soit clair, Élise a pris le temps de nettoyer ton bureau la semaine dernière. C'était. Tu es sûr que je l'ai pas rangé avant de partir? Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Merci Élise. Et Élise, est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Parce que là, juste avant que je prenne la cam, j'ai juste entendu une petite phrase. Oh, il a l'air vachement propre mon bureau, je vais le salir. Hein? Qui a dit ça? Je sais pas. Paresse. Il y a une tension entre elle et moi, je sais pas pourquoi depuis que je suis revenu de vacances. Vous avez vu ce regard? Ouais. Ton bureau a vocation à rester. Tel qu'il est. Comment quoi? Tel qu'il est? Ouais, t'inquiète. Et ouais. Si tu peux réussir à faire partir le truc qui a collé avec du jus d'orange. Ouais, t'inquiète. Ah oui, c'est du jus d'orange. Non, c'est une expérience sociale pour un outplay. Ah, ok. Ouais, c'est pour le prochain outplay. Là, ouais. Plus d'un an que c'est là, Steph. Oh là là, ce bureau. De suite. Ça fait 3 semaines l'émission, ça fait pas un an. J'ai récupéré ce bureau il y a 6 mois, elle a dit que ça fait un an que c'est là. Oh la Marseillaise de fou. C'est quoi ta team toi déjà? Team Marseille, c'est ça? C'est vrai, Léa, c'est quoi ta team toi? C'est Paris ou le Nord? Putain, mais il va falloir vous séparer, les gars. Il va falloir, il y en a un qui prend le Nord, l'autre qui prend Paris. C'est quoi ce pull là? Il est très stylé. Regardez ça un peu là. Ça les gars, c'est des vêtements qui sont faits sur mesure que pour Corentin. C'est-à-dire là, c'est des vêtements totalement uniques. Truc de fou quand même. Je crois que c'est des vêtements qu'il a de base et que eux, ils viennent coudre, etc. et travailler, c'est ouais. Ça là, on les a envoyés pour qu'ils mettent le logo dessus et tout. Du coup, c'est des vêtements, ce que je disais, totalement uniques. Comme ça, il peut continuer à porter un peu ce qu'il veut et tout parce qu'ils ont. En plus, c'est des jolis vêtements. Oui, parce qu'en fait, ils ont pas forcément de trucs lifestyle quoi. Énormément de trucs lifestyle. Ils ont plus des trucs de sportif et tout. Ouais. Du coup, Corentin, il a un peu cette DA cool, vêtements. Ouais. Non, c'est cool. J'en ai envoyé 3 autres et puis là, on est en train de faire une commande avec Léa pour envoyer d'autres trucs aussi pour qu'il y ait plusieurs trucs différents. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup Red Bull, mais quand même, il nous accompagne vachement. Hein. C'est quand même des cracks. Ouais, des cracks. J'espère qu'il sera content. Il va voir ça tout à l'heure. Bon, c'est qui la team Paname? C'est qui la team Lille du coup? Moi, je suis la team Paname. Ouais, toi, tu seras Paname quoi qu'il arrive, ouais. Je pense. Je pense, Léa, va falloir que tu prennes la team Lille. Ça me dérange pas, j'ai toute ma famille là-bas. Bah, je pense qu'en plus, Steph, ça l'arrange bien de se désolidariser parce que la dernière fois, il était pas très gentil avec eux. Mon problème, il nous plaît quelque chose. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Pardon? T'as pas dit je me mélange pas à eux? Non, j'ai jamais dit ça, mon ref. Jure-le sur notre relation que t'as pas dit ça. Je le jure sur notre relation. Il a juré. Steph, c'est Île-de-France, lâche tout le Nord. Alors, attends, je me mélange pas à ces gens-là. On va acheter pour le Japon. On va acheter le. Ouais, la photo elle est là. T'inquiète, on s'est compris. C'est trop bien parce que la carte de France slash Dumtum slash francophonie elle est en train de bien se remplir là. Et d'ailleurs, les gens de Marseille, je vous ai pas beaucoup vu en commentaire. Hein. De ouf. Les gens de du sud-ouest. Mais c'est parce qu'ils regardaient le match de foot, je pense. Ouais, je pense. Mais je pense qu'ils sont trop occupés à être au soleil. Ils regardent pas les vlogs, ils restent pas en intérieur. Ils sont trop occupés à bronzer sur les terrasses. Ça marche sur le téléphone, les gars. La team PACA là, on vous attend. Messieurs, dames, c'est l'heure de l'inspection des repas. L'heure de l'inspection. Andreas, on est sur l'heure d'autoroute ou quoi là? Tu manges un club sandwich? J'ai envie de mourir, pas de pizza. Lucas, on est un touriste parisien, genre mon beurre ou quoi là? Petite tarte de framboise. On va faire mal de dessert. Elle a l'air incroyable. Je te fais un petit plan de croix. Et ton Paris-Brest, elle a l'air vraiment incroyable. Monsieur Aimé, j'ai pas de vanne, je vais pas pouvoir en faire à chaque fois. Je suis la pire race. Ça va, petit croque monsieur? Ça, plus ça, plus ça. Ouais, vraiment. Yann, bizarre ton dessert, mon ref. Tu comptes prendre une douche ou manger ton repas là? Ça, j'ai chaud la sauce mayo. Non, pour que vous sachiez, à chaque fois qu'on va aux courses, Yann il achète un dentifrice, un savon. On est gamer, mais on a avant tout l'hygiène. Ah, c'est pour ta douche mensuelle. Alexandre, qu'est-ce qu'on mange? Alors, petite peine arabita. Petite peine ou petite peinée? Parce que là, tu nous as fait de la peine. Truffe parmesan, fait maison, fait main, cousu main. C'est Julien Tanti ou Alex de la G-Corp là? Cousu main gâté. Par contre, ça a l'air incroyable, zéro van. Activia Musli. J'ai l'impression que t'es à la diète, mon ref. On fait la shape, hein. C'est bien. Ok, Thibaut. Lélé, qu'est-ce qu'on mange? Taboulé, risotto.
plaît. Toi comme d'habitude. Et une petite pomme après. Pierre-Louis. Oh le pique. Un riz bien blanc, bien sec, sans sauce là. Petite tomate. Est-ce que Pierre-Louis, tu sais. Il a acheté 1,5 kg c'est de glace. Crêpes maison. Ah non, désolé, je t'ai pas. En fait, je voulais pas te vanner. C'est un petit bait. C'est un petit bait. Oh là là, incroyable. Attends, tu vas manger crêpes saucisson là? Ah bah non, ça c'est pour. C'est avant ça, tu vois. Ah ouais, ok. Petit apéro. Vas-y, sors la bouteille de whisky que t'as caché entre tes jambes, Evan là. C'est un apéro ou quoi là? Et les deux gaffeurs, c'est pourquoi du coup, Evan? Et ça, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose, c'est pour l'after? Ouais, c'est ça. Je préfère pas imaginer ce que. Bon, bref. Qu'est-ce que ça fait là un petit peu? Bah ça va préparer le plateau pour ce soir je crois. Pour l'arrivée du Big B, Benoît, le Big D, le Diablo X9. Ah mais surtout le Big A, regarde-moi, hein, ne va pas chercher un canapé ou quelque chose. Bah attends, mais je veux savoir comment tu veux faire, comment tu veux procéder quoi. Evan malin, il est venu avec la caméra comme ça, il est sûr de rien. Exactement. T'apprends bien avec ton maître de stage, puis t'es plus en stage. Mais... C'est vrai, on me dit que j'étais encore stagiaire en fait. Ah ouais? Il y en a qui pensent que je suis encore en stage. Tu mettes les choses au clair. Les gars, je ne suis plus en stage, ça fait depuis septembre. Voilà, donc ça fait déjà un petit moment. Force Evan dans les commentaires. Pourquoi je ne sais pas, mais force Evan dans les commentaires. Farlex, t'es venu nous aider trop, mon ref. Bah ouais, comment tu. Il y a eu aucune communication. Il est quoi, c'est... Ça, Pierre-Louis, tranquille. Ça va, ouais. Ok. Wouah. La télé. C'était l'aime ou quoi, là? Arrête, tu t'es planté. Beaucoup, quoi, il y a beaucoup de gens comme ça au loco. Hop, nickel. Commence. Voilà, et celui-là on va le décaler. C'est sur quel siège que le popotin de DX9 va être? Je pense que ça va être là ou là. Où ça? Non, faut qu'on le passe à la fin du vlog. Je vais aller au chat, je vais faire. Il a lâché ici. Tout ce qui touche, ça devient de l'or en fait. Ah, réel. Bon, la team, là du coup, il y a Yannou qui est arrivé. Du coup, là, ils sont en train un petit peu de préparer pour ce soir ce qu'ils veulent faire. Là, ça parle un peu de zombies, faire du BO1. Peut-être essayer de se faire des duels, ce genre de choses. Ça prépare. Bon, Corentin, on a tous. Ah ouais, on y est tous passés, Corentin. C'est quoi ton estimation pour ce soir, le nombre de viewers? Attends, 60 50. En fait, il y en a pas qui connaissent pas. Tu vois, toute la génération de Doug, ils connaissent pas. Ben, ouais. Jeff connaît pas. Après, Jeff, c'est. Mais t'as vu le tweet? Le tweet, il a fait 45 000 likes, je crois. Donc, ça veut dire, il y a au moins ces gens-là qui sont intéressés. Ils sont peut-être pas là, mais ils sont au moins intéressés. Mais qui sont intéressés de fou. Il y a les retweets. Il y a 46 000 likes, du coup, il y a au moins 45 000 viewers. Ok, Andreas, t'affiches le nombre de viewers maintenant là. 6 millions d'impressions. 6 millions d'impressions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. T'as fait combien sur ton post bébé? Il y a 26 millions de vues, donc déjà, je pense. Mais c'est ça. Donc là, si on fait un live avec Liam, par contre, au moins 26 millions de viewers. Oui, vous dites le prénom maintenant, du coup. Les 4 moustiques du YouTube game d'il y a 10 ans, ils sont là, les vieux de la vieille. Soirée, talk, BO2, sniper. Là, ça. Je crois qu'Annie et Benoît, la dernière fois qu'ils sont venus, c'était un Burger King à l'aéroport de Genève. Donc voilà l'info qu'ils viennent de donner. Du coup, voilà, 4 vieux potes, ça va être incroyable. Je suis trop hype. Ça va être cool en vrai. S'il est trop proche de toi, tu. Putain, Coco, t'es sérieux? C'est pas moi. Coco, t'abuses. Heureusement que Benoît est là pour t'aider quand même. Merci beaucoup. C'est stylé ce truc. Oh là là. Attends, moi je vais juste mettre mes touches parce que j'imagine que là les touches sont pas bonnes, non? Sur BO2, ouais. Comme un pro, petit 1v1. Ah ouais. Je veux pas faire le mec, mais il m'a détruit. C'est vrai? Vous avez joué à quoi? On a mis 30-17. 30-17. Ouais. N'importe quoi. Je t'ai mis 30-17. Non. Ouais. Putain, il s'en souvient déjà plus tellement il est chaud. 37, je crois, ou 30-18. Mais oui, globalement, on est aux alentours des 30-17. Bon, on est hype, les garçons là? Pas du tout. Ok. Bah y'a lui quoi, c'est cool. Et les sensations sur BO2? Pas du tout. Pas hype, pas du tout. Benoît, on est hype ou pas du tout non plus? Ah voilà, merci. Il apporte des bonnes vibes, merci Benoît. Du coup, vous êtes hype ou pas? Pas du tout. On a rien à foutre, moi je suis là, ils s'en foutent. Okay, bon bah écoute. Ma game sur BO2, je me suis allé pourquoi pas. BO2. Benoît fait le talk tout seul au début, c'est ça? Ouais. Et vous, après vous le rejoignez pour BO2. Ok. 5 minutes, tu parles avec le chat et nous on est dehors. Voilà, c'est ce qu'on a dit. 1h30. C'est peut-être un peu long quand même. 1h. Mais personne l'avait prévenu, Elise l'avait pas prévenu qu'il était solo. En fait, on l'attrape, on l'a fait venir ici exprès. Allez, bah. Le moment où il est là, dans tous les cas, il peut plus reculer et bam. Tu vois, il est en train de tester là. C'est la séquence Benoît tout seul pendant une heure. Ça va, Benoît? Tu sais, il y a des mannequins et tout. Il y a pas de soucis. On pose prod là. Des bâtards. Mes chers viewers d'amour, je vous plonge 10 ans en arrière. Oh là là! Je me suis fait tuer par Benoît, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Oh là là, le retour en 2012. Alex, putain, tu niques le plan là. Non, j'étais en train de faire. Alex, regarde le plan qu'on avait de fou là. Je suis le new Gotham. Ah, hey. C'est peut-être pas le moment de faire un spectacle de maracas là, Charles. Oh là, désolé. T'as prévu ta vanne pour la marque sur l'œil ou pas? Je sais pas si ça aura dégonflé. Il reste combien de temps? Ah, il reste 1h30 là. Tout à l'heure, c'était vraiment cool. Ah ouais? Bah là, ça se voit, ça va. T'as kiffé les musiques d'intro? Mais c'est trop stylé, hein. Le teaser, c'est le meilleur qu'on ait. Oh là là, l'idée des musiques d'intro, t'as kiffé? Putain, mais qui c'est qui a eu cette idée quoi? En fait, t'as le génie qui a monté le trailer. C'est Yann, comme de toute façon. Ici, avec un génie, chaque semaine, c'est Yann. Y'a pas de. Y'a un génie de bouffe. T'as quoi la vidéo que t'as monté toi? Mais il. Gotaga TV, c'est lui. C'est pas des vidéos. C'est du déroge quoi. C'est
du déroche. Voilà, là, comment ça sous-estime ton travail. Tu remets toujours ta petite patte. Moi, tu sais ce que j'attends, j'attends les petits tournages, les petits tournages chaque semaine là que tu faisais, que tu m'envoyais à 10h, que ça devait sortir à 14h. Non, c'est lui, il a des secrets. Il y a des fois des en mode KJ de la merde, Alex, supprime tout ça, on refait. Ah, mais il m'a dit qu'il garde toutes ses archives là. Le jour où tu veux faire quelque chose contre lui, faut faire attention. Il m'a parlé des prud'hommes, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Juste, je te préviens. Code Jordan, ex-star de YouTube. Anil, ex-star de YouTube. Benoît, ex-star de YouTube. Alex de la GECOM. Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, Alex, j'ai gagné. Laisse ta place là. Bon, Corentin, je te laisse ta place du coup. Tu vas pouvoir t'échauffer la chaise. Maintenant, il y a plus qu'à quoi. Attends, on fait genre en tryhard de ouf. Faites pas genre, je sais que vous tryhardez tous là. Vous êtes les quatre avancés sur votre chaise, à part Yann. C'est pas un diggle, c'est un pompe. Ah, c'est un pompe. C'est un petit pompe. Tu dois être collé. On va coller serré. Tu vas coller serré qui, mon ref? Regardez qui est arrivé. Tu vas passer bonjour. Ça date. From G to K. Comment? Le G s'est transformé en K. T'as compris ou pas? Non. Le G s'est transformé en K. J'ai corp, K corp. Ouais, j'avais compris, mais. Non, c'est pas bien. Il a fait des meilleurs, quoi. Non, mais elle est bien, j'aime bien, moi. Eh, mon fan numéro 1, il est là. Eh, les gars, il est 19h40. C'est Steph qui a repris le flambeau cette semaine. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe. Coucou, vous venez voir quoi par ici? Alors, on lance à l'heure ce soir. Alex, la dernière fois, il a lancé à 19h59. On m'a dit, si tu ne lances pas à 19h59, Alex, il y arrive. Je suis viré, donc ce soir, on lance à 19h56. Bon, non, s'il te plaît, filme-moi cette DA. Ah, c'est très stylé. Voilà, le bon élève. Non, mais filme-le. Oh, attends, mais équipé, prêt, assis. Et moi, voilà. Toujours, parce que je sais que c'est chiant, machin. Moi, et bien l'habillé. En plus, c'est stylé. Ça fait du bien d'avoir des gens comme ça, quand même. T'insinues pas toi qui dis, hein. J'allais dire, t'insinues quoi, mon ref? Il a dit les termes directs. Même pas eu le temps de dire. Non, il y a un petit t-shirt Jacquemus et tout. Il y a Elliot ce soir qui va entrer en piste aussi ou pas là? Ce soir, c'est pas Elliot. Ce soir, c'est le retour de Isp. Et Benoît, il se souvenait de lui. Hein. C'est vrai? Ah, c'est vrai que j'ai traumatisé quelques personnes dans. Oh là là. J'ai une vidéo YouTube où je fais un trickshot sur lui. Sur DX9? Ouais. Vraiment, on s'est fait sur son blaze quoi. Okay. C'est vraiment un truc au fusil à pompe dégueulasse. Ah, ok. Tu as fait 100 000 vues, j'étais content. 100 000 vues. À l'époque, c'était une dinguerie quand même. Hein. Alors, messieurs, Annie et Benoît. Oui. À quelques minutes du lancement de la soirée, on est comment là? Très content que ce soir, on soit deux Suisses contre deux Français. Déjà. Ah, oui, ça part sur un affrontement, comme ça dire. C'est très bien dit. Stressé un petit peu? Enfin, surtout plus pour Benoît, ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu devant les caméras. C'est comme je disais quoi, il faut toujours un petit peu de stress. Bien sûr. C'est vrai. Il y a du stress positif, il y a du bon stress. Si t'en as pas du tout, c'est qu'il y a un problème. T'as hâte du coup quand même? Ah ouais, carrément. Non, puis je suis content parce que. T'es bien entouré. Je revois Annie. Je revois Yann, je rencontre Coco. La dernière fois que je l'ai vu, c'était. Il avait 12 ans. À peu près, ouais. Vous avez l'air d'être une chouette équipe, quoi. Ouais, donc, c'est content. Ça, c'est bien vrai. Ça, tu peux négocier une petite augmentation pour nous, n'hésite pas. Ça va être l'intro des vlogs, ça. C'est vrai que. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que la dernière fois que vous étiez vu, c'était un Burger King à un aéroport il y a 12 ouais. ans, c'est ça? Ouais, un truc comme ça, je pense. Ouais, ça devait être en 2010-2011. Ouais. Où on s'écrivait sur Skype, genre, tu veux faire une vidéo commentary avec moi? Oh là là, quelle époque. On avait fait des top 10 kills ensemble avec Benoît. On a des exemples de vous en vidéo là. Ah, excellent. Ça tirait au barrette sur MW2. Voilà, je sais plus c'était quelle vidéo, mais. Ouais. Wartek avec un barrette, non? Bizarre. Non, moi, bizarre. Une nouvelle map ou je sais pas quoi. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. C'est celle-là, je crois. Salut à tous et à toutes, c'est DiabloX9. Je suis en compagnie de Wartek. Salut Wartek. Salut à tous. Incroyable. Bon, bah, let's go. Mon petit Yann. Attends, Yann. Oh, la seule personne à qui elle fait la bise. Ça va, tiens, viens. Même Corentin lui a pas fait la bise. Bon, Kylian, je crois que je t'avais pas oublié. Qu'est-ce que tu veux un truc de Yann? Ouais. Tu veux une anecdote? Déjà, tu me lances le teaser, s'il te plaît. Jingle, pardon. Bah, normalement, il y a déjà un jingle. Oui, mais il faut que tu me le lances, tu vois. Kylian. Allez, jingle! Bah, c'est le truc de Yann, donc c'est jingle. C'est le truc de Yann! Bon, j'espère que t'es pas venu tout nu les mains vides. Alors non, je suis pas venu tout nu, je suis venu habillé. Et d'ailleurs, je vais te poser une petite question. Alors, quand tu vois cette magnifique paire de Air Max, tu vois le logo. Alors oui, elle est en velours faite en pantalon de prof d'histoire géo, mais tu reconnais. Non, c'est stylé, j'aime beaucoup. Comment s'appelle ce logo? Nike. Le nom du logo. Oh, la virgule. Le vrai nom? Ah, c'est pas ça, je sais pas. Ça s'appelle le swoosh. Ah, ok. Le swoosh. À l'époque, lorsque Bill Bowerman et Phil Knight créent non pas Nike, mais le premier nom de leur entreprise qui était Blue Ribbon Sport, Phil Knight va dans l'université de l'Oregon et chope une petite graphiste qui fait ses études là-bas, son nom Caroline Davidson, si je dis pas de bêtises, okay. Et lui demande de faire un logo pour sa marque de chaussures de sport. Elle taffe pendant à peu près 17 heures, quelque chose dans ce goût-là, et elle nous sort le swoosh, la virgule, inspirée de la déesse grecque de la victoire, Nike. C'est pas Nike!
N-I-K-E, Nike. Tu vois ouais, où ouais, je veux en venir. Voilà. Et donc, elle pond cette virgule. La virgule qui plaît pas trop au patron de film et qui, enfin, de Nike. Dit, bon, fait le vendeur, là. Au pire. Il est trop fort. Ouais. Il me raconte une petite anecdote. Il dit, au pire, je vais m'y faire à ce logo. Et tu sais, pour combien il a acheté la création du logo? Tu vas me dire, ça va être une misère. Combien a été payé Caroline Davidson? $1000. $35. Quoi? $35 parce qu'elle a bossé 17 heures dessus. Dis-moi qu'elle est riche aujourd'hui, qu'il s'est passé quelque chose. C'était en 1971. Ouais. En 1983, Phil Knight retourne la voir, lui offre une bague sertie de diamants avec son logo, hein, ouais, le logo qu'elle avait créé, et lui offre 500 actions de chez Nike. Ok, ce qui représente... Pas ouf. Ah ouais? Ah bah non, là l'action de chez Nike, alors on est en 2023, elle doit être aux alentours de 100-120 euros. Ah oui, ok. À l'époque, ça devait pas être non plus... énormément plus. Énorme, quoi. Donc c'est juste l'un des logos les plus connus du monde pour $35. Mais la bague est incroyable. La bague incroyable, mais $35 quand même. Ouais, j'avoue. C'était le truc de Yann. J'avoue. C'est le truc de Yann. Très bonne anecdote et j'aime beaucoup parce que t'es assorti. J'aime beaucoup. C'est toujours le petit Yann. Toujours travail. Incroyable. Oh là là, deux semaines d'affilée à l'heure, c'est bon ça. J'ai la pression là, il a fait commencer à l'heure la semaine dernière, j'étais obligé. Là. On commence à 19h59, Jeff, aujourd'hui. À 57. C'est vrai qu'on est pas. Ils sont où les gens? Y'a pas de rugby, on est à l'heure, c'est trop bizarre. Bizarre, tiens. Ceux qui viennent ici. Oh, on y va. Contrôle ta fille un peu là. Elle sait qu'elle a pas le droit. Non, elle a sorti la strat du canapé. Non, il reste 30 secondes, mec. Aïe aïe aïe. 20 secondes. Non, c'est impossible, mec. 10, 9, 8, 7, 6. Il reste 3 minutes 30. Il reste 3 minutes 30. Elle est trop contente d'être là. Elle est trop excitée. C'est le temps qu'elle est pas venue aussi. Tu sais que j'ai un chien vendredi. Moi. Voilà la DA, les gars. C'est le triple L. Bon, là, c'est le solo L, mais. Même pas de L. Je comprends pas d'où ça vient ce truc. Si, c'est l'aimé. L'aimé. T'es l'aimé. T'es l'élu. L'aimé. L'aimé de la G-Corp. L'aimé de la G-Corp. Là, t'as le loser. L'aimé. Les 4 L. Les 4 truelles, ouais. T'as vu? Tu mets de l'huile de ricin et tout? Ouais, tout, frère. Je laisse pousser là pendant 2 mois. D'un coup, ça a poussé, ça a pas. Non, c'est juste que j'ai arrêté de me raser. Parce que j'ai perdu un pour combien? Du coup, pendant 2 mois, je dois faire pousser. Trop bien. J'ai pris quel âge là? Combien d'années là? T'as quel âge déjà? Je crois que j'ai quel âge? 25? Et je fais 27, non? Tu fais 18. T'es majeur, mec? Bon, ça lance quand là? J'ai trop hâte du teaser. J'ai vu 20 fois déjà. 3, 2, 1, teaser. Oh, le banger de Yann. Oh my god, le chat en feu. Ah, c'est maintenant. Bonsoir à tous, bienvenue sur la Gotaga TV. Pour une soirée nostalgie, on a accueilli Neymar, on a fait des trucs avec le PSG, Mbappé, tout ça, machin, etc. On n'a jamais fait un teaser où il y a eu autant d'interactions sur les réseaux que pour ce soir-là. Ils sont deux, ils sont suisses. Je vous présente Wartek, Anil et Diablo X9, Benoît. Bon, ouais. En vrai, depuis le début, c'était ton objectif cette soirée. Objectif, je vous annonce qu'à la fin de l'émission, je quitte la G-Corp. Quoi ? Mon objectif a été rempli. Arrêtez Diablo X9, c'est fait, ça va être un petit banger. J'espère que ça vous a fait plaisir, ça me fait un plaisir. Je presse des larmes aux yeux, mais je quitte la G-Corp. Est-ce que vous voulez faire du sniper? Allez. Bah, moi je suis chaud. Messieurs, vous pouvez moi, déjà vous dis, aller prendre place. Je vais vous montrer. Alors moi je vous dis, j'en ai déjà fait. Il est pas chargé là de toute façon, non? Non, il est pas chargé. Maintenant, il l'est. On a quand même un gros spécial sniper. Je vais vouloir voir du quickscope. Tu veux qu'on fasse quoi comme ça? Les gars, vous le voyez pas la cam, on est actuellement 10 dans la salle. C'est vrai que je fais un quickscope raté. Faut faire attention, ne visez jamais quelqu'un. On peut revenir demain. On peut revenir demain. Là, elle est sur 8 points. Donc on mais est attends, à... mais c'est trop dur. Moins 12. Du coup, t'as 12. T'as moins 12. Pas mal. Mais Steph, du coup, pourquoi t'as changé le score? Ça s'est montré comme ça. J'ai pas touché. En un tiers, je fais 50. Paris, 150 euros que Corentin va vouloir retirer après. On se refait une session de 3 ou pas? Ouais, je suis bien chaud. Ah, ça y est, moi aussi. Ok, dernier tiers. Là, je la mets. Je parie 20 subs que je la mets. Moi, je prends le pari. Tu prends le pari? 20 subs pour Anil, 20 subs pour Coco. C'est pas dedans. Alors, les 20 subs, ils sont pour qui? Et Gotaga sera peut-être le meilleur sub-gifter du mois pour toi. Ah, ouais, c'est bon, hein. Putain, il gagne 20 subs, en plus, il one-shot le truc, quoi. Là, vous vous rendez pas compte à la caméra, mais on est à presque 70 mètres de la cible. Nous allons partir sur du Black Ops 2 avec, bien sûr, Gotaga. Bon, moi-même, mais ça va être ridicule. Anil, Wartek et, bien sûr, Diablo X9. C'est parti sur le meilleur jeu d'histoire, d'ailleurs. Alors, moi, je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent, ils jouent tous clavier-souris. Je suis le seul à rester OG, je suis à la manette. Bon, PS5, scuff. Je suis OG, PS5. Mais après, t'es trop bon sur les lignes, par contre. Ouh, ah, mais tu t'es à l'intérieur?
Non, non, il était non. Eh, la triple feed, je la prends, merci beaucoup. Non, non. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît. C'est une dingue. Là, dans une pièce, là, il y a Jablux 9, Gotaga, Wartek et Code Jordan. Ils jouent à BO2 ensemble, ils prennent tous le balista. C'est une dingue. C'est dingue. Bon, ceux qui y voient, il y en a qui vont pas connaître, ils sont trop jeunes. Mais dingue, toi et moi, on connaît. C'est une autre dingue. Cet après-midi, j'ai fait un petit 1v1 contre Benoît. J'étais en mode, mon mois d'il y a 12 ans, frère, il aurait payé 6 millions d'euros pour ce moment. Il m'a détruit en plus. Les émotions, frère, de se faire laver par Jablux 9. En vrai, finir comme ça, c'est beau pour moi. Les gars, c'est les émotions. Meilleur jeu du monde, meilleur snipe du monde, meilleur créateur du monde. Derrière, derrière. Bienvenue sur cette vidéo triale fusion. Oh, triple shot. Oh, Julien. Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais quel pied ! Ah, quel pied ! Les gars, vous faites pas tuer par Anil parce que lui va pas tenter le 3-6 avant de vous la mettre. Hein. Oui, j'ai 3-6, mauvaise langue que tu es ! Mauvaise langue ! C'est juste pour t'inciter à le faire. Mais regarde, je l'ai fait deux fois même. Mais j'étais très content de votre accueil, de voir comment ça s'est passé. C'était vraiment un plaisir. Et je laisse le mot de la fin à Gotaga et sachez que Wartek avant était sniper. Les gens, en tout cas, merci à vous de vous être rendu disponible, que ce soit Yannou, que ce soit Anil ou Benoît. Merci. Ça m'a fait très plaisir. Franchement, une petite soirée nostalgique comme ça, on en a très rarement. Et je pense que ça nous a fait du bien, que ce soit à moi, à tout mon staff ou tous les gens qui étaient présents ce soir. Donc un grand merci à vous. Des bisous les gens. Tutus. Bonne soirée, salut. Incroyable le teaser, hein. Incroyable. Merci l'équipe. Okay. Ouais, merci à tous. Merci à toi. Une soirée exceptionnelle. C'est incroyable. Mais dans le cas là, petite photo de groupe tous les quatre, ça va aller. Vous voulez le sniper ? Ouais, le sniper on voit, allez. Ah ouais, j'avoue, le sniper non, bien, c'est cool. C'est bon, il y a plus de risque. Est-ce qu'il veut à Anil qui moi, ma réputation est terminée ce soir, c'est fini. Mais non, jamais, jamais. Ok, parfait, let's go. Merci à vous. Merci beaucoup. Tiens, moi je sais pas ce qu'il y a 100 000 personnes. Hein, 110, je crois. 110, c'est 100, constant, non, 112. C'est-à-dire que les gens restaient. Vous. C'est ouf. Hein. Les premiers sont partis à 23h, mais c'est ceux qui partent du sommeil, ça. Bon, Benoît, ça t'a plu ? Ouais, bah ouais. Évidemment. Ça va ? Ouais, je t'attendais à ça ? Non, bah tu sais, quand tu stresses un peu, t'as tendance à imaginer le pire. Bien sûr. Mais même là, j'avais de la peine à imaginer le pire parce que j'avais que de fait de me rassurer, machin. Tout le monde, c'était que des cœurs, que des trucs. C'est bien que aussi vous y êtes au 1h30 plus du jeu parce qu'ils voulaient vous voir jouer. Et comme demain, t'es chez Zach, on voulait pas aussi que tu racontes tout ici. C'était parfait, je pense que c'était juste mignon. On est reparti sur le airsoft là, ça y est. Benoît, il y a qui m'a envoyé un message. Bah oui, c'est la meilleure soirée Twitch depuis hyper longtemps. Ça me fait trop plaisir de vous voir tous les quatre. Ah bah tu sais, je l'ai encore parlé la semaine dernière. Ouais, mais il est adorable. En fait, c'est le premier à la fin. Là, elle est partie vraiment très très bien. Ça fait plus, c'est cool. T'en as tiré deux d'un coup là. Mettez peut-être des lunettes. Hein. Coco, si je peux te chauffer, il m'a dit j'ai juste à tirer une fois, je vous dis le 50. Vas-y, Steph, on va voir. Parce qu'il est en vidéo ton call. Attends, t'as redis ce que t'as dit là. Je vais le refaire là. En un tir, je fais 50. Je crois que je suis à la limite du 20 et du 50. En un coup, je dis le 50. Je crois que je suis dans le moins 20 à 1 mm. Mytho. Ah ouais. Bah t'es vraiment, il te manque 1 mm. Jure, il a mis enfin le bâton. Non. Il y a un train de la hype sur la chaîne de Benoît. Ah ouais. Je jure. Faut y aller doucement parce que ça rebondit. Ah le pauvre gars qui va devoir ramasser les billes quoi. Ah let's go. Regardez-moi ce goat qui nous a ramené du chocolat 100% venu de Suisse. Tu l'as fait à la main Benoît ou pas? Ouais c'est moi ouais. Fait à la main par Benoît quoi. Même les packaging sont différents, c'est incroyable. Non plus sérieusement, il nous a offert des plaquettes de chocolat. Même Yannou a eu sa part. Même Yannou, même moi, il a dit en pour a moi eu. Et mes filles. Les aiment pas les noisettes, ça va être que pour moi. Merci à Benoît, c'est super gentil. On va la partager. Il a dit c'est pour partager avec toute l'équipe. Donc on va partager ça fort avec toute l'équipe. T'es pas au régime toi? Il y a suite Corentin si vous voulez partager hein. C'est parti, dégustation en live. Tu peux commenter le commentaire ou pas s'il te plaît Benoît? C'est un déballage en direct du chocolat suisse de la Team Corp. Ah, ils sont partis pour le chocolat au lait. C'est pas mon préféré. Je vous conseille lequel? Ah, moi mon préféré c'est le bleu, mais. Bah, celui qui a coffré Corentin. Voilà, le choix de roi. Ah, vous allez kiffer les gars. Votre avis sincère? C'est horrible. Il est incroyable, Zero One. Non, c'est vraiment très bon. Je sais pas qui c'est qu'il en a pas eu. C'est pas grave. Qui se réveille dans deux minutes, y'a plus rien. Par politesse, j'attends, mais je ne t'abasse pas. La tablette est la plus chère en 30 secondes. Ouais, Nil, il mange pas, il le connaît par cœur. Il a baigné dedans comme moi. C'est fait main par Benoît. Alors, sache que d'habitude, jamais personne. Hein. Je me coltine tout à ranger tout seul. Là, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de monde là aujourd'hui. Hein. Steph, tu crois que ça change un truc pour toi là? Tu vas quand même ranger tout seul. Hein. Non. Écoute, il y a 97 billes par terre en bas dans les locaux là. Entre ça et le puzzle de l'autre là. Alors, faut savoir qu'un chocolat, tu le croques pas, hein, tu le suces. Non, mais pour avoir un meilleur. On a tous tabassé le chocolat en deux secondes en croquant dedans. En croquant dedans c'est tout près de Gruyère ouais. Où il y a le gruyère. Ok. Et il y a la. Mais c'est aéré comme le gruyère, Zero One. Bah oui. On dirait la calvasse d'Andreas, il y a des trous partout.
incroyable. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, Yaya, le signe. Laisse-le tranquille, y'a pas de trou, wesh. C'est la barbe d'Alex. C'est plus la barbe d'Alex. Alors, y'a quelques trucs qu'on fait bien, les montres, les banques et le chocolat. Mais oh, allez, oh, bah alors là, si c'est pas le destin. Oh, ça vient. Attends, attends, je vais le sucer. Non, mais il faut le mettre entièrement. C'est vraiment bon de sucer, bien. Ah, j'adore sucer, oui. Ouais, c'est un plaisir. Merci de même, merci pour l'invitation. C'est en train de sucer en même temps. Out of context. Bah, merci, monsieur Anil, à la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Toute la journée. Ciao, les gars, merci. Prends soin de toi. Bah, toi aussi, hein. J'étais content, vraiment. Ça se voit que t'es content. Ça se voit que t'es apaisé. J'ai l'impression que t'es apaisé. Ciao. Oh bah on est pas sans se revoir. Salut la team. Oh my god, leak pour le vlog en exclu. Merci beaucoup Benoît. Benoît DX9 sur Twitch la team. Ouais, tu me suis jusqu'au lit. C'est bien ça. Ah non, mais là c'est sur 36 heures on te suit, t'imagines. Tu me suis jusqu'au lit. Du coup c'est Benoît, merci beaucoup pour tout. C'était une super soirée. Merci à vous. Et j'espère qu'on se revoit très 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 vite. Très vite. Bon la team, job done, soirée avec Diablo X9 faite, je suis trop content, ça a fait remonter des souvenirs de fou, soirée nostalgique de fou, vous étiez plus de 100 000, c'était incroyable, merci à vous. Je l'avais dit dans un précédent vlog, mais c'était un de mes objectifs quand je suis arrivé à la G-Corp, faire cette soirée, et j'avais dit aussi dans le vlog que je tirerais ma révérence après cette soirée. Je suis revenu spécialement pour la dernière, mais du coup, ça en est fini pour moi, l'aventure avec la G-Corp, on va vaguer vers d'autres horizons. C'est pour ça que vous avez ce bureau tout clean, non, ce n'est pas du hasard, ma petite semaine de vacances, c'est pas du hasard, je suis juste venu pour finir cette émission, mais du coup, Alex, etc. vont prendre le relais sur les vlogs et tout. Vous allez surkiffer, vous inquiétez pas. On se retrouvera très vite, peut-être pour de nouvelles aventures. Je vous aime fort. Merci à tous. À très vite. Ciao. On va piéger le PC de Evan. On va mettre une playlist de silence avec des mèmes qui vont faire des énormes bruits dans son casque. Et on va cacher l'onglet et on va essayer d'être le plus discret possible. Attends, il est où là? Il est allé chercher à manger là. On va installer la cam et moi je vais mettre sur le PC l'onglet avec les vidéos. Pourquoi ça filme comme ça là? C'est un trap ça non? Fais gaffe, Elise, marche pas trop vite. Il doit avoir un fil tendu quelque part. Je le jure que la caméra qui filme comme ça, strictement rien, il y a un piège. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends ça au cœur. Attends, mais c'est moi qui dois payer pour le pot de départ ce soir? Pas coupé! Vous avez fini votre timelapse ou pas, Steph? Mais pourquoi ça record? Non, pas encore. Evan? Ouais? Alex qui appelle Evan. Est-ce que depuis tout à l'heure t'entends des sons ou pas? Y'avait une caméra c'était là pour, c'était pour ça. Ah non, c'était ça le prank. Mais attends, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, tu vois, j'entendais des trucs bizarres. Un moment j'ai même regardé dans le gestionnaire d'étage voir s'il y avait des logiciels et qui faisaient ce son. J'avais pas capté au début, tu vois. La no-réaction des vannes. Ouais. Mais ça fait mille ans, hein. Ça fait depuis. C'est qu'on a... Je me suis demandé pourquoi la caméra. J'ai dû t'appeler, tout te ramener, te parler, te bricoler des discussions nulles. C'est parce que en fait, on avait préparé un truc sur Google Chrome, tu vois, pour épingler le truc, tu vois. Comme toi, t'es sur Opera GX, j'allais pas ouvrir un truc Google Chrome. Et en fait, sur Opera GX, j'ai fait ça et j'ai fait envoyer dans l'espace, je sais pas où là, voilà. Ouais, espace 2. Et je sais pas. Mais j'ai pas trouvé d'où ça venait en fait. Et là, tu les as encore les sons de merde là. Bah, j'ai mis pause là du coup. En plus, vu que j'avais Spotify en même temps, il y avait genre, je croyais que c'était le son, tu vois, genre sans aucun souci. Mais du coup, au départ, je savais pas si ça marchait ou pas parce que le truc espace 2, je sais pas ce que c'est moi. T'as trouvé du coup ou pas? Bah, non. Tu les as toujours les sons là. Bah, du coup, je sais pas comment on les enlève, moi je sais pas ce que c'est espace 2. Voilà, le petit prank. Je pense qu'il faut que tu redémarres le PC. Bah. Allez, on va enregistrer. Mais je pense au dérush que je vais devoir faire aussi de mon propre prank en fait, genre c'est ça le pire. Je vais devoir trouver les moments où je réagis. Ça va, en vrai, il y a le rush, il dure que 54 minutes. Oui. Bon, les petits potes, on retrouve en bas parce qu'il y a Steph qui est en train de faire 2-3 trucs. C'est quoi le programme là aujourd'hui? Ça bricole, on va laisser tout nickel là. Pour ta dernière semaine. On fait pas des trucs très très fun en vrai, on aurait pu lancer une petite game de Valo, mais non, on va faire des trous dans les bureaux et fixer les fixations là. Il y a trop de trucs. Tu nous laisses des trucs propres avant de partir, c'est ça? Je l'ai pas fait pendant que j'étais là, mais là je vais le faire et bon, on avait pas. Attends, PC. Mais tu vas me dire que tu vas nous laisser la poignée pas réparée? Non, la poignée, je vais la réparer. Après, vous allez tout le temps penser à moi du coup. Si la poignée reste pas réparée. Vous l'avez compris, je sais pas si Steph, tu leur as dit encore ou pas très vite fait? Ouais, ok. Et voilà, Steph s'en va vers d'autres aventures. Bah, est-ce que tu veux en parler? C'est quoi la suite pour toi là? Ah, j'en ai déjà parlé dans un vlog il y a pas si longtemps que ça, on va dire. Et j'en dirai pas plus aujourd'hui. Voilà. Ah ouais? Petit à petit, je vais en dire un petit peu dans la semaine. Un petit peu chaque jour. Voilà, dernière semaine pour Steph. Ce soir, on fait un pot de départ. On va aller faire un after work pot de départ. Bah, moi, payé, non? Non, bah, les verres au moins. Ah non, même les verres, j'en fais pas.
qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Faire les trous dans les bureaux, débrancher tout le setup pour le outplay et fixer les trucs pour qu'on puisse installer propre à l'avenir. Sachant que là, on n'a pas de gaming. Je pense qu'on débranche tout. On n'a pas émission. On fait propre. Moi, j'ai 2-3 questions parce que les gens, ils vont se les poser quand même. Oui. Comment ça va se passer pour le sol élastique? Ah ben malheureusement, Ça t'arrange bien cette histoire. Dommage, quoi, vraiment. Putain, il va pas pouvoir diviser mon salaire par deux, quoi. Donc, aïe, aïe, aïe. Vraiment dommage. Je suis pas obligé de le faire. Du coup, c'est toi qui va le faire à la place. Putain, je dois sauter pour toi. Et du coup, mais comment on fait pour le Japon? Bah, le Japon, c'est en pleine négociation là. Demain, il faut qu'on aille chez Coco faire un petit truc. Pourquoi faire des Ah, j'aimerais bien quand même. Il y a le t-shirt qui va sortir normalement quand on est au Japon. J'ai bossé dessus. Ça va être bizarre d'ailleurs. En gros, tu veux. Bah, en vrai, Mel, elle a eu son dernier voyage, c'était les Bahamas. Voilà, exactement. J'espère pouvoir avoir ce petit dernier voyage aussi début mai. Mais on va voir ce qu'en dit Coco. S'il dit. Je comprendrais qu'ils disent non. Qu'ils disent allez. Non, en vrai. T'as voulu partir. Salut, tant pis pour toi. Bah, je pense qu'il aurait fait pareil. Attends, la suite de l'aventure pour toi, c'est quand même stylé. C'est quand même stylé. Pourquoi tu t'arrêtes quand même? Vous passerez me voir après, vous me donnerez un peu de C'est parti. Bon, vas-y, let's go. On débranche tout. J'ai ramené ma scie cloche et on va faire des trous parce qu'on manque de trous dans les bureaux pour faire passer un petit peu les câbles entre les bureaux. Tous les setups sont liés et connectés entre eux, qu'on puisse récupérer à la régie tout ce qui est vidéo, etc. Et par exemple, on a 4 télés qui sont derrière les bureaux. Et ben, il faut les connecter entre elles. Mais du coup, forcément, c'est pas super pratique. Le passage de câble là, il se fait par ici. Alors que du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire passer dedans, puis faire passer derrière. Et du coup, voilà, il y aura pas de câble apparent. C'est pour ce genre de choses qu'on fait des trous aujourd'hui. On peut se permettre de tout débrancher parce que lundi, il y a pas de gaming, je crois. C'est ça, il y a pas de gaming avant minimum un mois. Donc ça met bien. Je m'attendais à tout sauf à ça. Oh, tu m'as fait trop peur. Bon, respirons. Comment on va faire maintenant que Steph s'en va? Comment on va faire pour faire des pranks? Salut Stéphane! C'est un one-man show ou le monteur de l'estaf là? On va rejoindre la team. Paul, Cédric, Mel. C'est vrai que ouais, c'est, tous les ans, s'il n'y a pas quelqu'un qui part, c'est. Non, ça s'appelle. C'est un jeu portugais de base. Ça, c'est le cochonnet. Je vais te repasser à ce que j'ai dit. Mon mec juste à côté. Si ça touche un objet, c'est out. Comme ça, les gars, en mode frisbee. Oh, non, mais pourquoi t'as lancé toi? Tu lances. Juste à ne pas le faire éliminer, tu gagnes. Oh, ça va te manquer les séquences multiverses comme ça. Je vais commencer à voir les larmes aux yeux. Vous allez me. Ah non. Vous allez pas assumer. Ce soir pour le discours à l'afterwork. Non, je suis pas prêt. Si je fais un discours, je pleure 100%. Oh non. Allez, c'est parti. On remet les bureaux. Allez. Voilà le travail, donc Steph là est parti en réunion, mais on avait terminé de toute façon justement qu'ils partent. On a fait des petits trous comme on vous a dit, de toute façon vous en êtes rendu compte. Et en fait c'est des trous qui sont connectés là entre tous les bureaux pour pouvoir faire passer tous les câbles. On a aussi réparé ce bureau qui était cassé. Et puis voilà, bisous la team. La team, bon, on est à l'afterwork. Ah là, il y a tout le monde. Dites bonjour. Il y a Andreas qui paye sa tournée pour mon départ. C'est bon ça. Tu vas nous faire un discours là? Non, de retour, j'aurais fait un discours. Je vais le travailler au corps, vous inquiétez pas. 12 seconds later. Bon les gars, j'ai réussi à convaincre Steph. Steph, t'as plus le choix maintenant. On va devoir le faire en plein. Tu dois faire un discours, mec. Tu dois faire un discours. Il va me manquer le petit Steph. Bon, bah, je sais pas trop quoi dire. C'est finito après 2 années. Ça a été assez exceptionnel. Un petit peu chiant de voir Andreas arriver, mais bon, je vais pas dire que c'est à cause de lui que je pars. Ça a été 2 années exceptionnelles avec tout le monde. Bon, bah, certains que j'ai connus très récemment, Léo, Andreas, Lucas, un petit peu plus récent aussi. Mais voilà, j'espère que vous allez bien continuer à faire des jolis vlogs et des jolies émissions, etc. Hein, Evan, des jolis TikTok. Et voilà, on se reverra peut-être. Moi, je pars pour de nouvelles aventures dans le sud de la France. J'espère que ça va le faire et que je vais pas trop vous manquer. Tu vas tailler qui amène dans les vlogs. Je sais pas. T'as tic et tac, c'est fini là. Mon petit tic, je sais pas trop quoi dire. J'espère que je vais pouvoir aller au Japon avec vous, on va voir avec Corentin quand même pour cette dernière aventure ensemble. Mais voilà, merci à tous et santé. Tantez les gars. Santé. Et après, à Steph. Ou j'espère pas, je sais pas encore. Allez, ciao. Bah alors, Alex, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Là, c'est le matos pour Steph qui fait sa manif contre la teinture. Donc voilà, là, c'est son matos. Il va pouvoir partir. Partir à la guerre quoi. Pour affronter toute la France, hein, vous êtes quand même 400 000. Il faut du matos, mais là il y a encore 2-3 chariots qui arrivent. Mais après, lui il en a juste besoin d'un, non? Non, mais ça se change parce que. Attends, ça tient un jour même pas. Hein. Ok. Je te rappelle, 400 000 personnes. Tu sais ce que c'est 400 000 personnes? Attends. Voilà, vas-y. 1, 2, 300 404. Ouais. 300 400. Ouais, en tout cas, ça fait beaucoup. T'as perdu le compte? Ouais, non, mais ça fait beaucoup. Oh non, on était presque à 400 000. Allez. En vrai de vrai, c'est écrit là. R6S, Rainbow Six Siege. On va avoir une soirée sur ce jeu. Et du coup, les frérots de chez Ubisoft, ils nous ont envoyé toute la déco. Littéralement. Le plateau, quoi. Allez, on va descendre tout ça. C'est ciao.
Andreas, t'en penses quoi du départ de Steph? Oh, arrêtez de parler tout le temps de ça et vous m'attristez, frère. Il reste deux jours là. J'ai une question, Andreas. En vrai, j'en branle. Pour la gênance. Je pense que je vais arrêter les vlogs, du coup, il y aura plus aucune blague. Là, on a dit à la communauté, on va arrêter les vlogs. On arrête les blagues ou les vlogs? Non, il faut pas. Bah, moi, personnellement, c'est celui qui m'a fait. Qui fait ciné. Ah ouais? Ah oui, c'est un chef-d'œuvre ce truc. Il a regardé deux films dans sa vie, il fait l'américain. Stéphane, je veux bien qu'on rigole sur certains trucs, mais ça. Bref, faut qu'on trouve une chute, les gars. Parce qu'en plus, ça vient en même temps. Oh là là, je suis avec les fans. Evan, il va tout cracher. Allez, je suis tombé. J'ai chuté. J'ai compris. Allez. Non, mais. Regarde, il y a mon arôme qui explique sa vanne après la vanne. Bon les gars, pour le dernier jour de Steph, on va aller regarder le vlog pour finir. Oui, parce que t'as dit là. Bah quoi, on profite un peu avec toi, non? T'es pas content? Si, mais je suis un peu triste. Allez, venez, on va regarder le vlog. Outre le fait que la barbe pousse bien, les gars, vous inquiétez pas. Ça va bien, je trouve. Vous inquiétez pas, je crois que personne s'inquiète. Voilà team, bon on est dans la voiture de Steph, où est-ce qu'on va là les petits potes? Chez Coco. On va chez Coco. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Installer ça. Eh oui, parce que vous dans le chat, une personne va être sélectionnée pour gagner un lot Lenovo, donc c'est un PC et un écran. C'est incroyable, plus de 4000 euros il me dit Steph. Et du coup il faut aller installer ça dans son petit décor, parce qu'il y a quoi dans son petit décor Elise? Le coffre. Qui s'ouvre. Les gars on est dans le bureau de Coco, pourquoi faire? Parce que on va lui installer ces trois écrans Lenovo, donc trois écrans de fou furieux, on vous met les rêves des écrans, qui vont remplacer ces écrans. On a ça à monter et on a aussi son PC de jeu, donc la bête de guerre qu'on vous a déjà parlé en vlog. On va devoir la monter aussi. Voilà, Steph est déjà prêt. Bon, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Hein. C'est 4 vis à retirer, 4 vis à mettre à la place. L'avantage, c'est que ces écrans, ça va vite, c'est facile à faire. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, non? Bon, allez, let's go. Alors sachez les gars, j'ai demandé à Corentin comment s'organiser pour brancher, débrancher. Il a pas parlé, il a appuyé sur un bouton, le bureau s'est levé quoi. Genre vraiment on est chez le carrossier là. C'est pas un jardin. Ah ouais. Bientôt. Mais par contre là vous avez niqué le. Oui par contre ça il faut le refaire. C'est que ça va être chiant, je pense. Hein. On va y arriver. Il y a quelque chose là-dedans. Attends, laisse-le ouvrir, laisse-le ouvrir. Tadam. Voilà. Je vous ai pris. Oui. On l'a éteint. On l'a éteint, mais si on peut l'allumer, que ça c'est drôle quand tu le prends. Donc c'est bien là, l'éclairage à l'intérieur. Ouais, ça va, ça rend bien. On le voit bien. De toute façon, bleu sur blanc, ça marche super bien. En stream, t'as l'impression que la pièce elle est immense. C'est l'effet grand angle en fait qui fait. Ouais, mais c'est fou du coup parce que le rendu est incroyable. En vrai, c'est trop beau aussi. Mais du coup, quand je suis arrivée, j'ai fait. C'est la première fois que moi je vois mon vrai. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement moins grand que ce que j'avais en tête. Moi j'étais en mode, j'arrive dans un palace, tu vois. Alors, on va prendre tout ce PC là. Oh my god. Attends, je prends une photo quand même de. Oui. Ah, c'est exactement ce qu'il avait dit Steph. Oui. Alex, prends impérativement une photo, oui. Sinon on est mort. Est-ce que c'est bon pour vous? Comment ça en espagnol? Es bueno para ti. Là, en fait, il y a des versions, ils sont en train d'inventer des versions. Avec Pierre-Louis, vu qu'on est espagnol, on a inventé une version en spanish. Enfin, inventé, on a juste traduit. Hein. J'ai vu la vidéo de Squeezie où t'as le chien qui fait Let me do it for you. Let et, me do et it il fait for Est-ce you. Que c'est bon pour vous? Et en fait, il y a trop de versions avec l'entrée de photo. Je la plagie, je la dirai en stream avec ma. Oh, let's go. J'aime trop. Es bueno para ti. Est-ce bon pour toi? Oui, c'est ça. Merci Alex. Je pense hein, on est d'accord, je pense. Mais non, c'est oh my god. Bah, c'est ta team Elise, hein, dis-nous. Hein, maintenant il y a une team par région. Toi du coup Camille, il nous faut ta région. Bah attends, on avait là. Personne dans le Jura là. T'es pas chaude de prendre le Jura? Ah, elle a pas l'air chaude, c'est ouf. Corentin, j'ai de la famille dans le Jura. Oui, ok. Andreas, il fait tout sud-ouest. Moi, regardez qui t'a vraiment en vrai. En vrai de vrai. C'est vrai que tout est là. Tout est complètement à l'envers. Du coup, je vous disais. C'est lui qui nous paye. C'est lui qui fait tout. C'est ça. Et après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai aussi. Yann, il prend la Suisse et la francophonie. Prends Madagascar aussi. Voilà, ben ouais. Justement, il y a la francophonie. Belgique, Québec. Oui, il a des origines suisses, Yann. Mais là, je vais pas pouvoir live avant 2 heures, on fait tout installer, non? Vous avez déjà installé. Il y a une optique qui est faite, mais il y a peut-être pas tout installé, non? Ah, bah. Je l'ai installé quoi? Par Valorant. TeamSpeak, Valorant. Et encore, est-ce qu'il a besoin de jouer avec des gens pour passer l'IMO? Je crois pas. Oh là, c'est le kiff ça. Elise, ASMR, c'est maintenant. Pour la communauté qui aime l'ASMR. Cam, vas-y, fais le troisième, fais le troisième, Cam. Bah, vous avez des kiffs bizarres. Ouais. Ah ouais. Et regarde, il fait de la lumière, l'ordi. RGB, ouais, ouais. Du coup, dedans, Coco, t'as une 4090. Je t'ai entendu dire dans le live 4080, mais c'est 4090. En plus, c'est celles vraiment qui sont en pénurie, quoi. C'est-à-dire, moi, j'en cherche une, j'en trouve pas. On sent qu'il y a des privilégiés quand même. Bon, Coco, on en pense quoi de Steph, là, du départ? C'était nécessaire. Ah oui, quand même. Oh, le mec non, après, qui aime bien, châtie bien. C'était nécessaire, il a dit, je suis mort. Oh, Steph, item, Steph, item. Il a dit, t'as raison, il y a 800 FPS.
Qu'est-ce que j'ai entendu? Combien de FPS, mon cher Corentin? 800. Il va devenir un strelon. Le radar de Gabriel Stéphane. Ok, sans bouger. On a peut-être les 1000 là. En gunfight, t'auras 700-800, je pense. C'est énorme. Moi, je te dis, les joueurs CS, s'ils tournent pas à 800, ils sont en PLS. Hein. Donc, moi, Mizo, il m'appelle, je dis oui, j'ai 700 FPS là. On peut faire une opti. Je suis mort, sérieux. C'est des zinzins, gros. Tout nouveau setup quand même. On espère passer IMO avec. Repasser IMO. J'ai dit passer IMO, comme ça, ça fait genre, je suis pas passé IMO sans les nouveaux. Ok, je vois, je vois. Tu dis qu'on plante comme. Plante comme qui arrive en chemin. Désolé les gars. Bon bah trop bien. La suite en stream, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. Bon les garçons, vendredi fin de journée, voilà, c'était le dernier jour. Je vais pas faire doublon je pense avec le petit pot de départ qu'on a fait. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas les filles et qu'il n'y ait pas tout le monde. Ça y est, j'en pacte et c'est finito. Tous ces moments là qui m'ont un peu marqué, je me rappelle encore le premier vlog avec Elise et Gunther juste là. Putain, la première image là. La toute première image, le Mac, oh là là, qu'est-ce que j'ai bataillé pour avoir le Mac, c'était un truc de fou. La poignée aussi. La poignée qui est toujours pas réparée, je vais peut-être la réparer là, juste avant de partir. Les Bahamas, tout ça, c'est tout plein de nostalgie. J'espère que je vais pas trop vous manquer. Vous allez quand même tous beaucoup me manquer. Tu dors, Andreas? Non, ça va. J'étais juste triste. Imagine, il dort. Il doit être pas drôle dans la vie, sérieux, pas drôle du tout, genre. Il doit être triste. Je repasserai, je pense, lundi ou mardi. Parce que je veux voir encore Elise, Mel, etc. Oui, mais de toute façon, tu restes pas lundi. Oui, pour l'instant. Pas trop loin, non. Oui, non, pour l'instant, je suis dans les alentours. Après, plus tard, je vais bouger. Une dernière petite chose aussi. Tu leur as pas dit, tu m'avais dit que tu leur dirais ce que t'allais faire après. Ouais, bah en fait, je pense que je reviendrai pour faire un petit peu ma petite pub. Je vais aller dans le sud de la France ouvrir mon camion à pizza. Voilà, ça a toujours été un de mes petits rêves. J'avais dit que je le ferais si je gagne au loto. Je suis pas gagné au loto et je suis pas millionnaire. Et par rapport à ça, je voulais vous dire aussi qu'en fait c'était un prank et qu'en fait je reste. Hein? Ouais, c'était un prank, en fait je reste. Mais vraiment? Ouais. Vous êtes content? Casse les couilles, celui-là. Vas-y. Vous êtes content? C'était un prank en fait. Les gars, je reste. C'était une blague. Une vanne. Un prank quoi. Une joke. Les premières images du vlog. Oui, oui, oui. On a pris les billets pour le JPO. Oh la dinguerie. T'es sûr que mon Noël? Ok. T'es prêt pour cette soirée spéciale combat là? Salut tout le monde, bienvenue à cette magnifique soirée. Tu l'adore. T'as voulu comparer ça aux travaux du lit? C'est quoi le concept? Là, je t'ai pas touché, hein. Là, t'as un dodge.